Salut. Oula, il y a juste le son à côté, ça va être compliqué, je vais vous parler fort, comme ça vous m'entendrez mieux. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Epcot et nous allons déjeuner avec les princesses. C'est un brunch royal que j'ai réservé ici du côté du Akershus, donc c'est le pavillon norvégien. Il y a plein de princesses et je vous emmène découvrir ça avec moi. Allez, on y va. Royal en compagnie des princesses ici à Epcot. J'espère que ça vous a plu. Ça a été très rapide hein, pour nous. Enfin, j'ai pas pu vous montrer du coup le buffet parce que bah, comme on est arrivé sur la fin du petit déjeuner qui pour nous était plus un brunch du coup, et ben ils ont rapidement changé le buffet en buffet pour lunch et du coup ça correspondait plus vraiment à ce qu'on a mangé. Donc j'ai pas eu le temps d'aller le filmer comme je le fais d'habitude. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, mais je vous ai montré dans nos assiettes à peu près tout ce qu'il y avait qu'on pouvait prendre, notamment donc les gaufres Mickey, tout ce qui était bacon, eggs, c'était du gratin de pommes de terre aussi qu'il y avait avec, des œufs brouillés, du bacon, des saucisses. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi, on a pris plein de choses au buffet froid, il y avait beaucoup de fruits, des fruits frais, c'était super bon. Il y avait aussi du saumon qui était extra bon, enfin voilà, on s'est quand même régalé, on s'est vraiment bien rempli le ventre là clairement. Et je pense qu'on mangera pas d'ici ce soir, mais en même temps comme là il est déjà midi passé, ça va quoi. Donc c'est un bon brunch. En termes de prix, c'est quelque chose qui a 3, donc 2 adultes plus un enfant nous a coûté 130$ et quelques. Quelque chose comme ça, ce à quoi pour rajouter quasiment 20% de tips, donc on arrive à une note qui fait quand même plus de 150$ et donc c'est quand même un budget clairement, mais comme tous les trucs avec les princesses, hein, je veux dire quand on est à l'auberge de Cendrillon à Paris c'est pareil, donc voilà. Et le petit déj c'est l'option la moins chère ici pour manger avec les princesses, c'est aussi pour ça que j'ai pris ça et parce que comme ça nous permettait aussi de manger un petit peu tard et donc ça c'était cool quoi, voilà. Bon allez, je vais retourner me faire mon petit tour de Epcot avec le Flower Garden Festival que je vous montrerai dans un vlog séparé. J'espère que ce vlog royal vous a plu et que vous avez aimé cette découverte vous aussi avec moi et que ça vous a donné envie ou en tout cas ça vous a donné des idées pour votre prochain séjour ici à Disney World. Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos de Floride. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.